en una emisión que nos va a servir para decir adiós a toda la audiencia que nos ha acompañado durante este día y medio de debates aquí, este día y medio de concertaciones, para saber exactamente todo lo concerniente al premio UNESCO Guinea Ecuatorial que se entregó ayer en la ciudad de Sipopo. Y hoy, como no podía ser menos, estamos aquí para hacerles un poco la valoración de lo que fue la entrega, la ceremonia de ayer. Porque, entre otras cosas, este premio, esta entrega de ayer, todo lo que rodea a lo que está haciendo Guinea Ecuatorial en el mundo, lo que está haciendo Guinea Ecuatorial, evidentemente guiado por su presidente, Teodoro Obiangema, es motivo de comentario en todo el mundo. Guinea Ecuatorial es actualidad por varios de esos temas, pero sin embargo Guinea Ecuatorial muchas veces quiere llamar la atención que al ser protagonista en ese momento, porque ha encabezado una iniciativa como esta, lo único que quiere hacer es llamar la atención para que África en general siga teniendo la conciencia, empiece ya a saber que el destino de África está en manos de los mismos africanos. He ahí que en la Unión Africana estuvimos insistiendo, hablando de la seguridad alimentaria, estuvimos hablando de lo que es la salud, que es importante para las poblaciones, estuvimos hablando de la valorización de la juventud, de lo que es el cerebro africano, para que África pueda salir adelante, necesita de sus habitantes. El premio de ayer era importante y es importante, no solamente por el dinero que se pone para la investigación en ciencias de la vida, sino también porque, entre otras cosas, el presidente Obiangema Mbasogo lo que quiere es invitar a los hermanos, invitar a todos los compañeros africanos, colegas suyos, si cabe, a que se unan a este tipo de iniciativas para que África pueda en algún momento determinado pues también sentirse un protagonista de su propio destino. Hoy aquí vamos a hacer con todos los que ustedes conocen, son los habituales, vendrán otros, porque hay nuevos que no habían podido entrar en el plató para disertar con nosotros y que pueden entrar. Pero hoy también traemos una novedad, que es una novedad realmente importante. Vamos a presentar, intentaremos hablar, charlar un poco con uno de los vástagos de aquella persona que empezó, no empezó como único, sino que en grupo, pero se destacó más. Quizá por el hecho de que fue vilmente asesinado por Occidente. Fue vilmente asesinado, vamos a decirlo, por la CIA, que es... vamos a intentar aquí hoy disertar un poco con el hijo de Patricio Lumumba, que es Roland Lumumba, a que va a honrarnos aquí, nos ha asegurado, con su presencia para poder disertar un poco con él. Pero luego ya al final del programa intentaremos abordar un poco, abundar como siempre la idea panafricanista de por qué y cómo influyen las ideologías, cómo influyen las decisiones neocolonialistas, las presiones neocolonialistas sobre decisiones, valga la redundancia, de instituciones que para nosotros tienen que ser neutrales, como Naciones Unidas y todas las agencias que rodean a las Naciones Unidas o que componen. Con esto vamos a dar ya entrada y la palabra, cedo la palabra a mi compañero Marcial Viso, quien nos deleita aquí siempre con este plantel de periodistas, especialistas, analistas. Buenos días, Marcial. De nuevo. Buenos días, Virgilio. Je suis très heureux, évidemment, d'être avec vous. C'est un plaisir. Je rappelle à titre référentiel que vous êtes le directeur général de la radio-télévision nationale de Guinée équatoriale, cette chaîne à la qualité technique exceptionnelle qui nous accueille et qui nous a ouvert les portes par l'entremise du ministre de la Communication de Guinée équatoriale et évidemment de toutes les autorités. Alors, nous sommes en train de mettre en train un débat panafricain, j'allais dire un débat humaniste, parce que nous avons abordé tous les thèmes. Nous sommes là en marge du sommet de l'UNESCO. On fêtait hier le prix Guinée équatoriale pour l'UNESCO, qui l'eût cru il y a encore quelques années qu'un pays d'Afrique n'allait plus accepter de subir, mais de donner, d'être acteur et actant du développement en finançant des projets pour la recherche et la science et l'éducation. Et puis, deuxièmement, on va revenir un peu avec les panélistes exceptionnels qui sont là ce matin sur l'héritage de nos héros. Donc les fils sont témoins aujourd'hui, les fils physiques et spirituels que nous représentons. Virgilio a parlé tout à l'heure de Roland Lumumba, par exemple, qui est un témoin vivant. Il avait 3 ans quand son père était lâchement assassiné par les tyrans et les colons d'hier, qui sont encore là finalement aujourd'hui. Et après, on va sortir dans ce débat avec une simple question. Nous sommes libres, oui,
et comment le rester ou comment ne plus retourner à la colonie ou à la néocolonisation. Alors, Hubert Etoundi, c'est le premier à être présenté aujourd'hui. Il est journaliste, écrivain, et il est l'un des journalistes vedettes de sa chaîne de télévision dans son pays, c'est Afrique Média, et évidemment, enfin, Afrique Média pour l'Afrique. Donc, bonjour Hubert. Bonjour Martial, bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Vous savez, vous l'avez dit, Afrique Média, c'est le média leader en Afrique. Et ce média a déjà atteint les confins du monde. Et donc aujourd'hui, Afrique Média, le monde, c'est nous. Et puis, Afrique Média fait aussi, dans ce partenariat, vous l'avez si bien dit, avec la radio-télévision équato-guinéenne. Et nous sommes là, justement, en Guinée équatoriale, ce pays qui devient un pays phare pour l'Afrique, c'est-à-dire cette Afrique qui, désormais et impérativement, doit s'inventer. Et donc, vous l'avez aussi dit, nous sommes là pour célébrer ce que l'Afrique fait aujourd'hui, ce que l'Afrique devait faire hier et ce que l'Afrique doit faire demain, c'est-à-dire avec des hommes de pointe. Et ces hommes de pointe-là, on les nomme, l'un d'entre eux, c'est le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Mbasogo, qui justement, vous le savez, depuis 2007, peut-être, Martial, vous allez me permettre, de remonter très rapidement l'histoire de ce prix, parce qu'en 2007, lorsqu'il prend l'initiative de donner ce prix, c'est un tollé international qui est suscité avec une clientèle de 90 ONG qui vont le taxer des dictateurs, d'imposteurs, de quelqu'un qui est un pays pauvre et qui pille les populations, qui pille le peuple, mais maintenant qui va aussi corrompre l'UNESCO. Mais c'est ces bons messieurs-là qui étaient pilotés pratiquement par la France n'ont pas compris que la dynamique intellectuelle et scientifique et la volonté du président équato-guinéen étaient désormais mises en marche. Et ce qu'il faut retenir dans cette contestation, c'est que l'Afrique s'est unie, et j'ai des souvenirs, parce que le président Denis Sassou Nguesso, en visite à Paris, avait été interrogé par ces ONG-là, parfois à la solde des officines secrètes, qui travaillent toujours pour ramener l'Afrique en arrière, avait dit, pour le prix donné par la Guinée équatoriale, en fait, qui avait d'abord le nom du président équato-guinéen, ce prix-là, il est un prix donné par tous les Africains, et les chefs d'État africains n'entendront pas que ce prix soit annulé. Vous savez d'ailleurs que Mme Irina Bokova, qui est la directrice de l'UNESCO, qui d'ailleurs est à la cérémonie de 2014, dont nous avons vécu, a dit qu'on va passer au vote. Et quand le vote a été fait, justement, la Guinée équatoriale a eu raison. Parce que en principe, le prix a été officiellement validé. Très rapidement, Martial, vous savez que la première remise officielle, la France avait contesté. De toutes les manières, Hubert Etoundi, l'élaboration est claire. On revient dans quelques instants, le temps de laisser à la face du monde qu'on présente quand même un géopoliticien. C'est le représentant international d'Afrique Média à Bruxelles et à Russie aussi. C'est un créateur de concepts politiques. C'est un ami, c'est un frère, c'est un pan-européiste, un pan-africaniste. Et ça nous va droit au cœur que le combat dépasse finalement la simple couleur. Alors, Luc Michel, bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour Martial, bonjour Virgilio, bonjour l'Afrique, bonjour à tous les panafricanistes, bonjour à tous ceux qui se battent pour la cause des peuples hors d'Afrique. Je voudrais particulièrement remercier la télévision de Guinée équatoriale et le président Obiang-Nguema Mbasogo, qui nous a fait l'honneur hier de nous recevoir avec la délégation d'Afrique Média, parce que ici, nous avons de nouveau, si je peux dire, un port où venir dans notre combat qui est difficile, particulièrement moi qui me bats en Europe occidentale, à Bruxelles ou à Paris, je suis face à un système écrasant, à Léviathan. Hier, avec la remise du prix UNESCO, on a assisté à un événement qui va bien au-delà de l'Afrique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu pour moi ce qui a été le moment fort. On a vu un chef d'État africain, le président Obiang-Nguema Mbasogo, remettre un prix à un savant iranien spécialisé dans la recherche sur les cellules souches, c'est-à-dire la biologie de pointe, ce qui va permettre la médecine de demain. On a assisté là à une lézarde dans le monde unipolaire dominé par l'Occident
Quand j'entends Occident, ce sont les USA. Je pense qu'il faut appeler un chat un chat et le maître de l'impérialisme par son nom. On avance, c'est un symbole, mais on avance vers ce monde multipolaire, plus juste, plus égalitaire, que nous appelons tous de nos voeux. Jusqu'ici, que voyait-on? On voyait la recherche de pointe un peu partout, mobilisée, il faut bien le dire, par les universités, les hôpitaux, les instituts de recherche, principalement américains. La fuite des cerveaux que vous connaissez en Afrique vers l'Amérique, elle se passe aussi en Europe. Là-bas, il y a des budgets, il y a de l'argent. Eh bien non, maintenant, la recherche, c'est aussi en Guinée équatoriale, où on apporte des fonds. C'est en Iran, où on a des savants de première pointe. Et ce qui m'a fait ressentir particulièrement la force de ce symbole, c'est qu'on a vu finalement deux États totalement diabolisés par l'Occident. On a vu cette Guinée équatoriale qui a pris dans l'inconscient occidental la place du diable qu'occupait le colonel Kadhafi il y a encore quelques années. Et on a vu cet Iran, dont on nous dit que c'est une dictature obscurantiste, etc., qui est aussi un État diabolisé de son côté, arriver dans la biologie de toi. Alors, merci Luc Michel. À côté de moi, François Bicorot, qui est évidemment un journaliste, un homme, j'allais dire un activateur politique, hein, c'est son expression qu'il mérite d'ailleurs, et c'est quelqu'un qui est simplement dans l'engagement de la pensée critique. Alors, bienvenue François Bicorot. Merci beaucoup, le bonheur que vous me faites de me retrouver une deuxième fois ici en Guinée équatoriale, pour faire un devoir de mémoire, un devoir d'identification et surtout pour refaire l'apologie de l'espoir. Le devoir de mémoire, c'est ce que je vis aujourd'hui en tant qu'Africain et je constate que ce qui a toujours tué l'Afrique, c'est justement le fait que ceux qui sont morts pour l'Afrique rentrent généralement grâce aux agiographes du roi en Occident dans la poubelle de l'histoire. Aujourd'hui, j'ai vécu grâce à la Guinée équatoriale un devoir de rectification. J'ai rencontré le fils de Patrice Lemieux Lumumba. J'ai rencontré le fils de Fatassé, j'ai rencontré le fils d'Amadou Ahidjo, j'ai rencontré la génération qui doit prendre les choses en main et dont on disait qu'elle n'était pas possible de le faire. Devoir de mémoire encore aujourd'hui parce que je me suis rendu à l'évidence qu'en réalité, l'Afrique a des talents. On peut se retrouver tous ensemble pour faire la recherche. Mais quel type de recherche? On a donné de prix à des gens qui font la recherche sur l'être humain, sur le développement de l'être humain. On a donné un prix à des gens qui depuis 30 ans aujourd'hui font des recherches en Amérique latine, on a donné un prix à un Africain, un Burkinabé, dont on ne savait pas qu'il était possible que cela se fasse. On a un pendant sur ce que les autres font, c'est le prix Nobel. Aujourd'hui, l'Afrique a son prix Nobel. Mais beaucoup plus un autre devoir d'espoir, c'est qu'en réalité, si les Africains, à travers l'éveil de conscience, comprennent qu'il faut aller de l'avant, tout finit par arriver, le raconte des civilisations. L'UNESCO, c'est une organisation mondiale, une organisation qui appartient à tous. Après beaucoup de tergiversations, on s'est rendu à l'évidence qu'en réalité, on peut tous aller ensemble. Chapeau donc à ceux qui ont fait cette initiative. Chapeau à tous les chefs d'État qui sont venus et à ceux qui apportent leur soutien à cette initiative de structure d'Europe. Et puis, Roger Bongos, que tous les téléspectateurs de la télévision nationale de Guinée équatoriale et surtout de toutes les chaînes qui nous prennent en relais commencent à aimer parce qu'il a des positions vraiment pas tranchées, mais bien aiguisé. Hier, au sortir de votre interview avec le président béninois Yaïn Boni, il en ressort quand même quelques grandes lignes. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus et surtout de votre vision de la soirée d'hier? Ma vision est simple. J'ai commencé par la maxime du président Obiangema Ouazoro qui dit à propos des Nations Unies, si tout est articulé sur l'espèce humaine, nous devions s'intéresser à l'espèce humaine. Donc il y a forcément démission par rapport à tout ce qui se passe ici en Afrique. L'Afrique, c'est une nation, moi j'appelle ça une nation, un pays en fait, un village où il y a 54 familles, mais dans ces 54 familles, il y a quelques désertions, quelques têtes brûlées dans cette nation. Donc il faut ramener tout le monde dans ce qu'on appelle de bonnes considérations afin que nous puissions bâtir cette nation. Et en l'an 2050, nous serions 1 milliard. Plus d'un milliard d'habitants. Donc, ça sera quelque chose de fort. Donc, l'effort qui est consenti aujourd'hui, même le président, pour répondre à votre préoccupation, le président Boni Yaï s'interroge sur une seule chose. Il dit, si nous ne sommes pas unis par rapport à ce qui se passe en Afrique, nous allons nous retrouver avec une Afrique.
Afrique assez éparpillée, une Afrique qui va être tirée vers le bas. Comment ça va être tiré vers le bas? Parce que chacun tire la couverture pour soi. Donc on ne regarde pas cette vision qu'on nous rabâche tous les jours, vision panafricaniste, cette vision qui devient pour moi une forme de chimère. Alors il faudra s'atteler à mettre des cadres en place, à baliser notre chemin. Comment baliser? Avec des structures claires, des structures saines où les institutions vont accueillir nos jeunes talents qui partent à l'étranger, donc on l'appelle la fuite des cerveaux. Mais pourquoi ils partent? Parce qu'il n'y a pas de structure ici. On termine les études ici, on a une vision, quelle vision aller vers l'Europe? Or, l'Europe, aujourd'hui, si on regarde le taux de croissance de l'Afrique, ça tourne à 5,6%. Et en Europe, là, c'est combien? Ça tourne à 3,1%. En France, c'est combien? C'est 1%. Alors, comment on peut espérer quelque chose par un pays où il y a une récession terrible? Nous, nous avons la matière ici, nous avons les éléments ici. Ça, c'est le discours de Boni Yayi aussi. J'essaie un peu de synthétiser un peu son discours. Pour comprendre, c'est une chose qu'il faut sortir les Africains de ces, en fait, du paradigme qu'ils sont en train d'établir par rapport à leur façon de voir les choses. C'est vrai, quand on voit l'UNESCO venir ici, quand je dis venir ici, s'installer en Guinée équatoriale, il y a derrière l'UNESCO, il y a des structures, il y a l'enseignement. Mais l'enseignement ici en Afrique, comment on peut le voir? On peut le voir seulement d'une façon désastreuse, parce que l'école est abandonnée, les institutions de recherche scientifique fondamentales abandonnées. Alors, nous faisons l'éloge de nos prix. Le Burkinabé, il a eu son prix hier. Mais moi, je me suis interrogé, où est-ce qu'il a fait ses études? Est-ce qu'il a fait des études ici en Afrique? Ou bien une partie de ses études à l'étranger. Alors la question se situe à ce niveau-là. Donc il faut mettre en place des structures. On ne mettons pas la charrue avant le feu. Mettons les structures en place, établissons des règles, et à partir de ces règles-là, je pense que nous pourrions aller de l'avant. Moi, je suis très inquiet par rapport à cette Afrique. Je suis très inquiet parce que il y a certains présidents, cinq présidents sont venus ici. Il y a un discours fort. Qu'est-ce qu'ils ont réclamé? Ils ont réclamé il faut qu'on soit unis. Ça, c'est une posture terrible, c'est un discours terrible, c'est un requiem pour l'unition. Alors, pour l'unité, pardon. Alors, c'est quoi cela? Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison. Il faut rétablir les règles, établir les choses afin que les gens puissent se retrouver ensemble et bâtir cette Afrique forte. Parfait d'homme, homme politique et aussi visionnaire de cette Afrique en construction. Au sortir des travaux de l'UNESCO hier, quel a été votre regard panoramique? Merci Martial, merci à Monsieur le Président, Directeur Général de cette télévision, qui nous reçoit. Merci à ce peuple de la Guinée équatoriale qui nous a vraiment chaleureusement reçu hier. Merci au Président de la Guinée équatoriale qui, malgré les cérémonies qui ont été plus ou moins bien agrémentées, malgré la fatigue, a bien daigné recevoir l'ensemble de la délégation d'Afrique Média et des autres médias sœurs hier. Je dis merci encore pour le chef d'État. La cérémonie d'hier, Martial, m'a laissé un goût de quelque chose de l'avenir, la construction de l'avenir. Enfin, ici, l'Afrique est en train de se réinventer l'avenir. Parce que cet avenir-là, si on s'en tient tout simplement aux différents éléments d'analyse qui ont été même produits sur ce plateau, on peut continuer à voir cet avenir avec ce sombre quoi, avec beaucoup de doutes. Mais hier, ce que nous avons vu, c'est la capacité de l'Afrique à s'inventer un avenir, à être maître de son propre avenir. Et cet avenir-là, c'est dans les solutions que nous allons nous-mêmes essayer de trouver par rapport aux difficultés qui sont les nôtres. C'est pour ça que je ramènerai peut-être un peu à contre-courant de mon ami Frère Bongos en disant non, on n'a pas, ce n'est pas un requiem. N'est-ce pas de l'Afrique qui a été célébré hier? C'est le requiem de la faux pessimiste qui a été célébré hier. Et pour moi, c'est un acte fondateur. C'est quelque chose de fort. Oui, il faut croire à ce panafricanisme-là. Parce que quand on écoutait hier le discours de Yayi Boni, qui dit non, c'est dans l'unité que nous allons réussir. Quand on écoutait à sa suite les discours même de Uhuru Kenyatta, qui dit mais non, les défis qui s'imposent à l'Afrique aujourd'hui, que nous voyons tous, qui sont les nôtres, nous devons les relever. Et pour les relever, nous avons l'obligation d'être unis,
Donc pour moi, au-delà de ces décideurs, au-delà de ces dirigeants, au-delà de ces leaders, j'ai vécu hier une chaleur, quelque chose de nouveau qui est en train de poindre au niveau de l'Afrique. Et cette chose est simple. Les Africains ont décidé de prendre le taureau par les cornes, de prendre les destinées en main et de se réinventer un avenir. Et dans cet avenir, ils veulent tout faire pour être maîtres de cet avenir. Alors, c'est bien parti pour le débat avec Virgilio. Moi, je voulais vous dire, hier, moi, j'ai senti à la suite de Parfum d'Homme que c'est finalement en Afrique le seul espace où on parle d'humanisme et les gens sont un peu plus ou moins investis, c'est-à-dire c'est sérieux. Parce que le reste du monde, maintenant, c'est les lobbies, la finance, la guerre, la vente des armes. Ceux qui vendent des armes pour tuer les Africains viennent jouer les pacificateurs. Mais hier, on a senti dans le discours de nos dirigeants une profondeur de l'âme. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, vraiment, Martial, ça fait partie de ce que nous sommes en train de parler toujours. Parce que nous, ici, quelques moments, on a commencé à constater ça, que l'Afrique, c'est notre espoir. C'est l'espoir parce que maintenant, on commence à parler de mots qui sont vraiment appréciés. L'espérance, l'espoir, l'avenir, l'union et tout cela. Ça veut dire que bon, c'est ici qu'on parle d'humanisme et tout le monde. Est-ce que tout le monde parle, le lobby, l'occidental, tout le monde là, il parle d'argent. Il parle d'argent. Et l'argent, qu'est-ce qui produit l'argent? Ce qui produit l'argent, ce sont les armes qui vendent ici. Qu'est-ce qui produit l'argent? L'argent, ce qui produit l'argent là, ce sont nos ressources naturelles qui sont en train d'amener en Europe. Qu'est-ce qui produit l'argent là? Ce qui produit l'argent, ce sont les produits pharmacologiques qui sont en train de vendre en Afrique après d'avoir inventé des maladies, jeter les maladies en Afrique et après, ils nous vendent au contraire aussi le médicament. Donc, quand on parle, quand on est maintenant dans un entourage comme maintenant, toutes les réunions, la dernière fois, on a beaucoup parlé, tellement parlé sur l'Union africaine, quand on disait que, bon, il y avait l'espoir, si, parce que c'est la première fois qu'on écoute dans tous les discours de nos leaders, nos présidents, d'unification. Ça veut dire que de prendre quelques positions communes qui permettent à l'Afrique de pouvoir un jour à l'avenir, parce que c'est une guerre qu'on commence. C'est une guerre médiatique, c'est une guerre économique, c'est une guerre sociale, c'est une guerre éducation. Parce que partout, on va faire la même guerre. Donc, maintenant, moi, je pense, Martial, que hier, et avant tout, dans les réunions de l'Union africaine, dans les sommets et tout ça là, on a écouté les derniers moments, c'est ça qui fait l'espoir maintenant, le nouvel espoir de l'Afrique. Là où on doit redresser le futur de l'Afrique, dans l'Union, surtout. Maintenant, évidemment, dans la suite de ce programme, on vous l'a annoncé en début d'émission, c'est un honneur pour toute l'Afrique aujourd'hui, pour tous les combattants de la liberté, de vous présenter à la face du monde Lumumba. Hein, je souhaite qu'il y ait d'ailleurs un petit zoom sur lui. C'est le président de la fondation Patrice Emery Lumumba. Hein, comment pourrait-il en être autrement? Et à lui seul, c'est toute une histoire, c'est notre histoire, c'est ce d'ailleurs pourquoi on est là aujourd'hui, pour démontrer que la vie ne s'arrête jamais et la quête de la liberté est perpétuelle. Il est avec nous, c'est un honneur, Lumumba, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire à toute cette Afrique, à tout ce monde entier qui vous regarde aujourd'hui? Parce que votre visage seul a déjà dit 60%. Je ne sais pas pour commencer, souvent à des situations comme ça, on perd le mot. Et je suis venu spécialement hier pour assister à cet événement qui est une fierté pour nous autres Africains, que partout dans le monde, quand on parle de l'Afrique, quand on parle de l'Africain, on parle essentiellement maladie, on parle essentiellement sida, des guerres, on parle de tout ce qui est négatif, on nous l'attribue. Et pour une fois que quelqu'un qui a essayé, parce qu'il n'est pas le seul Africain qui avait été béni de la
voit le monopole de cœur, ce n'est pas uniquement à l'Occident. En Afrique, il y a des gens de valeur. En Afrique, il y a des dirigeants qui peuvent penser à honorer les leurs. Ce n'est pas pour prouver que quelqu'un qui est valeureux en Afrique, il faut que l'Occident donne le feu vert. Et ça nous fait énormément plaisir. Et il n'honore pas uniquement les Africains. Il honore d'une façon mondiale. Ça, c'est une fierté de participer à une télévision. Je vais poser quand même une question que tous les téléspectateurs voudraient vous poser. Quand papa part, vous avez 3 ans, sensiblement, et à 3 ans, on est un enfant. Mais comment on a grandi avec cette histoire lourde, alors qu'on a quoi un bébé, puisqu'à un moment, vous êtes, même si on a voulu vous le cacher, vous avez été au courant. Comment ça s'est passé, ce moment? Heureusement que cette Afrique de cette époque-là, c'était une Afrique pour ça. Je ne dirais pas que le meilleur de ces hommes était ou de ces dirigeants c'était à cette époque, mais c'est grâce à ça que je suis encore vivant. J'ai vécu une trentaine d'années à l'étranger. On est parti en Afrique vers l'Égypte. L'Égypte est le président Nasser qui nous a accueillis comme ses enfants. Et pour l'anecdote, beaucoup ne savent pas que Nasser, qui a élevé les enfants de Lumumba, il ne s'est jamais vu à l'opportunité. Ce sont des hommes qui croyaient à un idéal. Et l'enfant de quelqu'un qui croit au même idéal que lui est en danger. La question ne se posait pas. On a grandi dans la même maison que ses enfants. Et après, on a évolué tant mieux que mal avec ce poids-là de ce nom. Vous êtes l'enfant de Mumba, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. On a cheminé comme tant mieux que mal. Je suis architecte, avocat. Mes frères et sœurs, pareil, ils sont plus jeunes que moi. Et dans les années début de la démocratisation, on a dit que c'est l'occasion de rentrer chez soi. Après une trentaine d'années, on est rentré. On essaie de lutter comme tout Congolais, comme Lumumba, qui avait dit dans sa dernière lettre qu'il considérait comme son testament politique. Il disait une phrase nous concernant. À mes enfants que je laisse, que je ne verrai peut-être pas, il faudrait qu'on leur dise que l'avenir du Congo est beau, il attend d'eux comme il attend de chaque Congolais d'accomplir son devoir sacré. Et c'est ce que je fais. J'essaie de faire. Mais on va sortir de là, c'est carrément une micro-interview, on a bloqué l'émission, c'est un moment émotionnel fort. Alors vous êtes là, l'invitation personnelle de votre père aussi, Obiangé Mambazogo, est-ce que vous avez senti cette chaleur paternelle au-delà des approches peut-être politiques, mais est-ce qu'il a remplacé un peu papa dans ce rôle? Il faut être honnête. Quand on croise des présidents, des hommes d'État, ils sont très émotionnés et ça s'arrête là au bonjour chaleureux. Les personnes qui ont vraiment contribué à nous, bien sûr le président Nasser, parce que l'époque sinon on ne serait pas là aujourd'hui, notre président Kadhafi qui croyait à une unité la continuer, et le président Obiang que je vois d'une façon concrète, l'aide et aussi les idées, la continuité de ces idées de Kwame Nkrumah, de Lumumba, de Nasser, je le vois aujourd'hui. Et chaque fois que je manifeste une rencontre, un conseil, tout, je vois que souvent. Derrière votre visage d'homme politique, je
je vois des larmes qui coulent. On a tous envie de les couler aujourd'hui, mais c'est peut-être des larmes du bonheur. Et merci d'être là. Restez, le débat peut continuer, mesdames, messieurs. Ce moment était émotionnel et c'est historique de refaire un peu notre histoire, notre vécu, notre parcours à travers le visage d'un homme. Alors, Luc Michel, vous êtes à côté. Non, essuyez vos larmes, c'est nos larmes, hein, et c'est les larmes de joie. Donc, je suis moi-même ému. Mais tout le monde est ému. Je pense que c'est l'un des moments forts de ce passage ici chez nous. Mais restez. Alors, Luc Michel, quand on a écouté ça, est-ce qu'on ne se dit pas que tout le monde, tous les humanistes du monde entier doivent rejoindre l'armée des combattants pour la dignité humaine? Et je pense que vous êtes un digne soldat. Écoutez, moi, ma vision du monde, elle est simple. Je pense que c'est aussi l'enseignement de Che Guevara. L'impérialisme, c'est un monolithe. Il a une tête, ce sont les États-Unis. Partout, on retrouve la main. Dans la mort du père de Roland, on trouve la même chose. On trouve la main américaine derrière la main belge, derrière la main de la Cour royale. Si nous ne décidons pas de nous unir, nous serons éternellement vaincus les uns après les autres. C'est la vieille histoire romaine des Horace et des Curias, pour ceux qui connaissent l'Antiquité grecque. Nous sommes défaits dans des batailles séparées, les uns après les autres, année après année, face à un bloc monolithique. Vous savez, moi je pars d'un principe qui est assez simple. Je me bats, c'est un concept géopolitique. C'est le front quadricontinental contre l'impérialisme et l'exploitation, patricontinental. Parce que la génération précisément de Fidel Castro et de Nasser, elle a commis une erreur, c'est la fameuse tricontinentale, c'est une grande réunion qui a lieu à La Havane en 1967, et on exclut de ça le mouvement révolutionnaire d'Europe. Ça, c'est l'erreur. Parce que l'Europe occidentale, c'est la première colonie. C'est là que l'impérialisme américain peut être défait. Qu'est-ce qui fait que l'Amérique est une superpuissance? Moi, je l'explique. Brzezinski l'explique aussi du point de vue américain. C'est le contrôle de l'Europe occidentale. L'Amérique contrôle les deux plus grandes économies mondiales, la nord-américaine et la ouest-européenne. Elle contrôle deux blocs militaires énormes. C'est la puissance militaire américaine plus celle de l'OTAN. C'est ça les moyens de la superpuissance. Si on prend un corps humain, c'est le deuxième poumon. L'Europe occidentale est le deuxième poumon des États-Unis. Donc, moi je dis, non pas tricontinental, mais quadricontinental. La seconde chose que je veux simplement dire, c'est que lorsqu'on regarde les parcours, etc., on voit des idéologies sœurs, on voit des concepts frères, on voit des gens. Moi j'ai démarré par le pan-européisme révolutionnaire, ce qu'on appelle la Grande Europe. J'ai soutenu, parce qu'il n'y a rien d'autre à soutenir, j'ai soutenu l'Union soviétique, puis la Russie en Europe. Et je suis arrivé, j'ai combattu 20 ans avec le colonel Kadhafi. On voit le rôle que Kadhafi a joué après Nasser, justement. Kadhafi était un relais entre deux générations de panafricains. S'il n'avait pas existé, le panafricanisme aurait peut-être disparu. Il y a eu comme ça de grandes figures, et quand on regarde ces grandes figures, on voit, il y a Chavez aussi en Amérique latine, on voit des gens qui ont la même vision du monde. Je dirais brut anti-impérialisme, anti-néocolonialisme et société solidaire. Ne parlons plus de socialisme, parlons de société solidaire. Ça, c'est la réalité et les grandes puissances financières et économiques mises au pas. Ce qu'on nous a expliqué ici, la vision, il ne faut pas oublier que Nasser, pendant qu'il poursuivait ce rêve panafricain, il avait aussi un rêve panarabe. Ça a été la même chose. Moi, j'essaye, vous savez, avec mon concept d'axe Eurasie-Afrique, j'essaye de concilier deux grands rêves. Le rêve d'une Europe libre et le rêve d'une Afrique libre. Bien, je crois qu'on a... Et il y a un homme qui symbolise ça, évidemment, c'est Patrice Lumumba. Parce que Patrice Lumumba, en fait, il a une stature qui va bien au-delà de l'Afrique. Vous allez à Cuba, vous allez en Amérique latine, mais vous allez aussi dans des milieux anti-impérialistes en Europe, on connaît Lumumba. Et il y a quelques grands hommes comme ça, c'est Lumumba, c'est Kadhafi, c'est le Che Guevara. Ce sont ceux que, moi je n'aime pas le terme d'icône, mais c'est ceux que j'appelle, ce sont les mythes fondateurs du combat pour la libération. Et parfois,
l'histoire, la cruauté de l'histoire sert à fabriquer justement les héros, on va le dire comme ça. Oui, oui Virgilio. Il y a vraiment une chose, quand on est éloigné, il faut, bon, tu lis les livres, tu comprends un peu l'histoire, et vraiment c'est différent. D'avoir ici à côté, moi, à Roland. Ah oui. Et vraiment, je veux remercier Roland, votre présence ici, surtout au plateau de radio-télévision Guinée-Équatoriale. Moi, je suis le directeur général. Et je voulais même revenir au exemple que moi, je vais donner hier. Parce que peut-être qu'hier, quand on avait parlé, ça peut même ennuyer quelqu'un, parce que c'est une même chose que moi, je vais rappeler pendant longtemps. Non? On est en train de jouer un match. Moi, je reviens sur cela. Le match, dans les conditions complètement inégaux. La meilleure équipe contre la dernière équipe. C'est la première équipe et la meilleure équipe qui fait le règlement. On était fabriqué, écrit, tout ça là, construit par eux. Et ils ont les meilleurs buteurs. L'arbitre aussi, c'est un membre de l'équipe avec lequel on doit jouer. 5 minutes après le départ, on nous amène carton rouge sur le seul joueur qu'on avait qui était meilleur. Ce n'est pas un seul joueur. C'est Patrick Lumumba, c'est Nasser, c'est Kadhafi, c'est Laurent Gbagbo. Ça veut dire qu'on va rester à peu près avec 2, mais on doit gagner le match. C'est la situation. Heureusement, aujourd'hui, moi je peux dire, par exemple, quel est notre meilleur joueur qu'on a amené, carton rouge? Le voici. L'exemple, c'est le fils. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, presque jamais, on doit maintenant parler d'unification de l'Afrique, de continuation. C'est ça aussi qui donne à continuation de ce que j'ai dit toujours dans nos débats. Moi, je n'aimerais être un jour dans l'histoire, dans le sens de beaucoup de gens qui ont dit « Oui, ok, mon président avait de belles idées, mon président était brillant, mais après aussi dans l'avenir, à lui dire. » Et les idées sont déjà restées là. On a laissé tomber. Non, c'est pour faire maintenant, à partir d'aujourd'hui, une enquête, c'est pour faire maintenant un examen de conscience pour dire que, ok, Lumumba est mort, pour rien. Je vais dire pour rien. Et on a tué l'autre, ce n'est pas mort. Est mort pour moi, moi j'ai dit toujours, est mort. Si je suis malade, je suis mort sur le lit. C'est, moi, je suis mort. On m'a assassiné. Il faut bien éclairer ça. On a assassiné tout ça là. C'était les gens qui avaient les têtes un peu claires pour rédiger, pour ordonner, pour organiser un peu le futur de l'Afrique. Donc ça veut dire que maintenant, vraiment, je vais agiter tout ça là et avec ça je finis. Donc, moi j'aimerais vraiment que tous les présidents africains, ça n'importe pas, parce que le problème maintenant, ce n'est pas la guerre de la Guinée équatoriale ou la guerre du Congo, c'est la guerre de Burkina Faso. Non, ce n'est pas la guerre de quelqu'un. C'est le panafricanisme, c'est une guerre qui nous appartient à tout. Que tout le monde doit faire ça. Moi, vraiment, je finis avec ça, je suis encore aussi émotionné parce que ce n'était pas possible de trouver face à face le fils de Lumumba, quelque chose de Lumumba. Vraiment, moi, je suis un admirateur depuis que je suis un peu plus grand. Je sais lire, je lis les livres et je comprends l'histoire. C'est ça que j'ai donné aussi comme un exemple. C'est ça que moi, je n'arrive pas à comprendre. Je lui écoute, je ne lui vois pas, je le vois. Il est dans le sens qu'il peut même parler sans beaucoup d'émotion. Moi, je ne sais pas à sa place. Après tout ça, là, on a tué mon père quand j'avais 3 ans. Et après, aujourd'hui, je suis même en train de voir dans les films occidentaux la récréation de l'assassinat de Lumumba. Quelqu'un qui dit que moi, j'étais maintenant destiné par la CIA au Congo, on a dit de disparaître le corps. Si c'était au contraire, imaginons, pour un moment, c'était un président américain, allemand, espagnol, tué par un Africain. On a eu l'accident de Lockerbie parce qu'il avait sous position, parce que quelqu'un pensait qu'il avait
un terroriste libyen qui avait fait éclater l'avion, c'était immédiatement bombardement le palais de Kadhafi. On a tué son enfant et tout ça là. Bon, avec ça, je vais m'arrêter. Non, on continue. C'est un fort moment de télévision qu'on passe là et un message fort aussi qu'on passe à tous les bourreaux, parce que les bourreaux sont encore là et ils sont très heureux. Hein. On va maintenant aller à un autre visage, une autre figure, un autre héritage commun à l'Afrique et au monde. C'est Sylvain Patassé, qui est le fils de son père, de son illustre père, et lui aussi n'est pas moins illustre. D'ailleurs, avec la situation en Centrafrique aujourd'hui, ça ne pouvait pas bien tomber. Il a été d'ailleurs ancien candidat à l'élection pendant la transition. Bonjour Sylvain Patassé. Bonjour. Il fallait juste trouver un prénom pour vous, parce que le nom aussi est fort à porter, surtout en ce moment, en Centrafrique. La question va d'elle-même. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à l'Afrique, et surtout au peuple centrafricain, qui est encore dans ce tourment de la sauvagerie humaine? Oui, je vous remercie beaucoup. Par rapport à votre question que vous venez de poser, je pense que c'est d'abord, hier j'étais invité par le président de la République pour la remise du trophée UNESCO à Sens. Donc, je remercie beaucoup le président Jean Guéma. Par rapport à votre question, j'étais en Centrafrique il y a un mois de cela. J'ai fait une tournée à l'intérieur du pays. Je suis allé rencontrer mes frères et sœurs centrafricains qui sont dans l'arrière-pays, malheureusement, depuis ces événements. Aucun membre du gouvernement, délégation du gouvernement centrafricain ou en politique est parti les voir, parler avec eux, sensibiliser pour la paix. Donc je suis allé, j'ai été vraiment très très bien accueilli, cette population, ça les a rassurés. De là, on est obligé de sensibiliser tout le temps pour que nous arrêtons de nous entretuer entre nous. Parce que rien ne sert aujourd'hui de nous entretuer, parce que même si nous sommes victimes aujourd'hui, je peux dire que nous sommes victimes de notre richesse. Que tout ce qui tourne, c'est pas pour rien, c'est parce que la RCA est un pays extrêmement riche. Et comme nous ne pouvons pas exploiter nos richesses, vous voulez exploiter et on est obligé d'instrumentaliser pour que nous nous battons entre nous. Donc je demande au peuple centrafricain beaucoup de sagesse et que nous devons nous reconcilier avec nous-mêmes. Parce que la paix n'a pas de prix. La semaine passée, j'étais sur Afrique Média à Douala. Donc j'ai parlé de... Parce que les forces onusiennes, on avait dit qu'il fallait que les Équato-Guinéens ne participent pas aux forces onusiennes. Je me suis dit, mais c'est pas normal, parce que le président Obiang Nguema a tout de suite été au chevet de la Centrafrique. Depuis 1996, pendant la MISCA, le président Obiang Nguema a envoyé une force, un contingent équato-guinéen. Quand il y a encore des problèmes récemment, le président Obiang Nguema a tout été au chevet de la Centrafrique, que ce soit militaire et financier, il a toujours été présent. Donc là, vraiment, il faut que nous rendons un grand hommage au président Obiang Nguema, qui est un grand panafricaniste. Mais comment on peut expliquer, vous Sylvain, comment on peut expliquer que des frères qui ont en commun une seule terre, un seul vécu, puissent accepter les armes d'une main quelconque, qu'elle soit, je ne sais pas. C'est, même si vous avez des problèmes, les gens peuvent le comprendre. Expliquez aux Africains, vous qui êtes sur le terrain, vous qui avez cet héritage, comment on arrive à armer deux frères qui hier s'embrassaient et mangeaient ensemble, qui ont grandi ensemble, qui parlent la même langue, qui ont la même histoire. Je pense que ça a été instrumentalisé par certains hommes politiques. Donc, je pense que tout le monde le sait. Et c'est malheureux. Si on a eu à gérer un pays, et quand on aime son peuple, on doit pousser ce peuple à s'entretuer entre eux, elles-mêmes.
Donc, il faut que ces hommes politiques arrêtent de manipuler la population et le peuple. Aujourd'hui, le peuple n'a plus besoin. Le sang de Centrafricain a trop coulé. Il faut qu'on en arrête là. Nous devons nous unir pour voir de quelle manière nous pouvons contribuer pour le développement de notre pays. Moi, je rêve que les gens qui ont armé nos frères reprennent d'ailleurs leurs armes. Si ce n'est pas possible, il faut simplement leur dire que Balaka, Séléka, ça n'existe pas. Nous sommes indivisibles. C'est peut-être le message qu'on allait passer, mais on va continuer dans le débat. Il y a Jean de Dieu ici qui nous a retrouvés. Il faut que la parole circule, mais c'est, comprenez-nous, hein, c'est historique. Alors Jean de Dieu ici, quand on vient de vivre ce moment, vous avez Lumumba à côté de vous, et nous sommes tous là, nous sommes ses fils et petits-fils. Qu'est-ce qu'on peut ressentir? Écoutez, Martial, avec déférence, je voudrais supplier Lumumba de ne point verser les larmes sur son Afrique, parce qu'il s'agit désormais d'une Afrique en résurrection. Lumumba n'est pas mort. Lumumba est à ma droite. Patassé n'est pas parti. Il est à ma gauche. Je dois pouvoir confirmer que l'Afrique se construira avec Lumumba parce qu'il a connu comme Nasser, comme Kadhafi, comme Ahidjo, dans votre délégation, il y a Ahidjo. Je dois pouvoir vous expliquer le processus de la résurrection dans le peuple traditionnel. Je viens de quelque part. Il y a quelque part un rite qu'on appelle le Poumsé. Le Poumsé signifie que vous avez des douleurs et des malheurs. Et vous prenez la farine, vous mélangez à l'huile rouge, vous faites ce rite et vous entourez votre maison avec cette nourriture que vous remettez à ceux qui sont entre guillemets morts. Parce qu'en Afrique, les morts ne sont pas morts. Les oiseaux, les animaux et toutes les âmes, les ancêtres qui viennent consommer cette nourriture bien préparée, c'est les Lumumba, c'est les Kadhafi, c'est les Ahidjo, c'est la résurrection. Si vous prenez le deuxième rite qu'on appelle le Gopem, le Gopem signifie que vous prenez un poulet, vous lui donnez toutes les incantations, toute la peine de chez vous. Vous jetez ce poulet dans la nature. Et c'est ce poulet qui porte vos malheurs, qui porte vos souhaits. Et quand ce poulet s'en va dans la nature, il s'égare, peut-on croire? Non. Les Kadhafi, les Lumumba, toutes ces personnalités qu'on a cru avoir tuées, les voici. Vous êtes parmi eux. Je dois pouvoir dire précisément que nous avons besoin de convoquer les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, Pékin, etc. Pas pour venir susciter la résurrection c'est nous-mêmes. Ce sera la négociation pour une coopération internationale digne de gagnant-gagnant. Mais entre-temps, voici ce que nous avons vécu hier. Un chef d'État qui accepte de recevoir les Patassé, les Lumumba et nous autres. C'est une image. C'est un rêve qui se concrétise. Un peuple africain qui peut s'exprimer tout librement à travers une télévision nationale. C'était encore les télévisions gouvernementales. On ne parlait pas ce langage villageois. On utilisait la langue de bois, la langue diplomatique. Un message très fort parce que c'est un média gouvernemental qui embrasse notre média qui vient de Yaoundé, qui vient de quelque part dans l'Afrique, qui dit que les peuples africains, les peuples africains doivent se parler autour de cette table. Ils doivent se parler, ils doivent s'unir. Et vous avez vu, les chefs d'État, ils étaient devant vous, ils ont reçu des questions, et ils se sont exprimés. On a donc dit, en un mot comme en mille, le peuple d'Afrique est désormais capable de prendre conscience de son retard. Il n'est plus question que les autres écrivent notre histoire, que les autres parlent de nous. Il n'est plus question que notre élite se rende compte du processus d'imbécilisation et progresse dans cette imbécilisation parce que, voyez-vous, nous autres, nous versons les larmes encore lorsqu'il s'agit d'observer que les forces endogènes entre en concubinage incestueux avec les forces exogènes pour tuer les milliers
des Centrafricains pendant que les autres pillent le diamant, le mercure. On ne peut plus l'accepter aujourd'hui. C'est le processus d'imbécilisation. Le processus qui est le nôtre est celui de dire non au processus initié par Tommaso Parentuccelli. C'était le 14 juin 1452, un pape pourtant de l'Église catholique romaine qui a institué par sa dum diversa, ce que vous avez appelé esclavagisme. Le peuple africain dit les larmes sont finies lorsqu'on dit que ce que vous avez décidé à Berlin, avec la balkanisation de l'Afrique, avec l'instauration de la colonisation, c'est fini. Le néocolonialisme d'aujourd'hui, avec l'impérialisme spirituel, avec on vidange les âmes des nègres, on dépossède les noirs et on vous dit Gbagbo est un dictateur, Obiangoma est un dictateur, c'est fini. Le discours qui viendra désormais construire l'Afrique, partira de l'Afrique pour dire non, je suis dans la capitale Malabo, c'est un coin important du paradis. Je suis désormais N'Djamena. N'Djamena est une lumière qui devrait s'agrandir. C'est l'Afrique qui éduquera le monde. Parce qu'a-t-on dit, le ciel de l'humanité, c'est l'Afrique. Lumumba ou Patassé ne sont pas morts, les voici. Merci Jean de Dieu Aïssi, on vous retrouve dans quelques instants. Roger Bongos, déjà avant de continuer, on va donner un carton rouge simplement à toutes ces économies occidentales, tous ces pays pauvres là, la France et autres, je les cite et j'assume. Qui vendent les armes, soit à Boko Haram, soit à Seleka, soit à Balaka, et viennent dire qu'ils veulent mettre la paix. Vous vendez la mort en imposant la mort, c'est... Non, et on 14, a compris. Et carton rouge pour ceux qui l'achètent. Carton rouge aussi pour ceux qui achètent, pour s'entretuer. Oui. Donc, c'est le seul moment de se dévouler, finalement, parce que vous, Bongos, vous êtes originaire de ce grand pays, de ce Congo, et de cette Afrique, même si vous êtes à Paris. Alors, quand vous avez vu votre frère, notre frère, qu'est-ce que vous avez pu dire? Qu'est-ce que vous pouvez penser? Pour répondre à cela, d'abord, je commençais à être en désaccord avec Roland. C'est vrai qu'il est idéaliste. Enfin, pas Roland, Jean de Dieu. Oui, idéaliste, c'est vrai. Il rentre dans des rhétoriques qui sont très intéressantes. J'allais vous dire comment vous pouvez être en désaccord avec Roland. Mais par contre, je m'interroge par rapport à l'héritage de Lumumba. Alors, il a susurré un peu, il a murmuré la lettre remise à la nation et adressée à son épouse. Il a dit, ma très chère épouse, cette lettre a une vérité, a un sens historique assez important. Il faut lire et relire cette lettre. Bon, les gens ont failli, j'étais en voiture, en fait, en disant que ça a été écrit par quelqu'un d'autre, etc. Enfin, bon, il y a eu beaucoup de controverses là-dessus. Néanmoins, quand on lit cette lettre, on rentre dans ce que Lumumba voulait de l'Afrique. Alors, moi, ma question se situe au niveau de l'âme de Roland. Est-ce que c'est de l'âme de tristesse, d'émotion, de révolte ou également de reconnaissance? Il a cité Nasser, là, tout à l'heure. Après, il bascule tout de suite à Obiangema ou Bazougou. Donc, avec cette Afrique qu'on est en train de dire panafricaniste, on se retrouve qu'avec deux leaders, enfin, deux leaders, il a parlé comme tout à l'heure, j'ai bien écouté avec beaucoup d'attention. Moi, je suis désespéré d'entendre cela. Je suis désespéré d'autant plus que Lumumba, il est mort pour un idéal africain. Il est mort pour que l'Afrique ne devienne pas ce qu'elle est aujourd'hui. Le mort pour que le Congo, la RDC, ne soit pas ce qu'elle est aujourd'hui avec 8 millions de morts, avec des gens qui caporalisent le pouvoir. Le mort pour qu'on puisse dire, voilà, l'Africain doit avoir le sens des responsabilités. Alors, Lumumba a-t-il été oublié? On pourra dire oui, oublié, oui. On peut dire il y a des monuments ci et là. Oui, des instituts, des universités qui portent ce nom, oui, mais en réalité, non. Qu'est-ce qu'on a pu faire avec son héritage? La question se situe à ce niveau-là. C'est vrai qu'on peut rentrer dans des discours, dire des choses, mais ceux qui ont été éliminés, en commençant par Lumumba, et on voit aujourd'hui que les gens qui essayent d'émerger, de sortir, sont étouffés dans l'œuf, comme Barbeau, Laurent, se trouvent à la CPI, notamment amené à la CPI.
par l'ordre d'un homme à Paris. Alors, ATT voulait protéger Amani Touré, protéger Kadhafi. Il a été débarqué avec un complot, une cabale terrible contre lui. Avec son ami, enfin, l'ami sénégalais, Ouad, l'a trahi. On se demande aujourd'hui, quand on ramène, on exhibe le fanion de l'africanisme et on se sent visé, il y a des armes qui sont braquées vers eux. Je donne un petit exemple. Kémi Séba, le jeune panafricaniste, il rentre à Paris, il a été arrêté à Paris. Pourquoi? L'explication est simple. Voilà, parce qu'il a passé plus de 4 ans hors la France. Or, il fait des allers-retours entre la France et le Sénégal. C'est à partir de là qu'on doit s'interroger. Est-ce que c'est un chemin qu'on doit prendre? Il faut d'abord baliser nos chemins, d'autres chemins, pour pouvoir avoir des armées autour de nous afin de lutter contre l'imperialisme. La question se situe à ce niveau-là. Le DG disait tout à l'heure, si un occidental avait vécu ce que Lumumba a vécu, on aurait traîné beaucoup de gens autour de nous. Qu'est-ce qu'il y a eu comme commission depuis que Lumumba est mort, la commission africaine pour mettre en lumière la mort de cet homme? Il y a un Belge qui se pavane à Bruxelles, exhibe la dent de Lumumba. Oui. Exhibe la dent avec un cynisme absolu. Comment on peut l'admettre à l'heure actuelle? Donc ce qui fait qu'on laisse, on peut perdurer cette souffrance africaine par rapport à ces choses. On nous montre que vous êtes rien tant que vous ne serez pas unis. Le président que j'ai interrogé, enfin j'ai fait l'intervieweur de 21 minutes, Bouniaï, a été clair là-dessus. Tant qu'on ne sera pas unis, tant qu'on n'aura pas une certaine cohésion autour de nous, nous allons subir. Nous allons subir d'autant plus que ce qui se passe aujourd'hui en République centrafricaine. J'ai fait l'interview de porte-parole de la coalition Séléka, l'ex-Séléka. Il a été clair par rapport à ce qu'il y a. Vous avez posé une question tout à l'heure concernant qui arme les gens, les anti-Balaka, les Séléka, etc. Mais qui arme? Moi, j'accuse la France. Voilà, mais je voulais pas rentrer. Oui, alors, vous n'entrez pas, moi, j'accuse la France. Non, mais à titre personnel. Pardonnez-moi, je parle avec émotion, parce qu'il y a l'émotion par rapport à ces larmes. Et moi, ça m'a beaucoup fait, qu'on appelle, enfin, pardonnez-moi, la Madeleine de Proust, comme on dit. Ça me fait revenir en arrière de mon histoire, l'histoire de mon pays, la souffrance de mon pays, la souffrance, ce qu'on est en train d'endurer aujourd'hui. Et l'Afrique endure cette souffrance parce qu'on n'a pas encore, exorcisé cette souffrance. La mort d'un martyr, il faut l'exorciser par un travail formidable, afin qu'on puisse sortir ces pays-là. Voilà, c'est ça le travail qu'on nous dit. On va y arriver, Bongos. Alors, François Bicorra, à côté. Pardonnez-moi. Non, allons-y, c'est historique. Il faut qu'on se lâche, que les langues se délient, que l'Afrique n'ait plus peur d'assumer son histoire. Et tout à l'heure, Jean de Dieu a ici rappelé aux Africains qui prient matin, midi et soir un Dieu qu'ils ne connaissent pas, alors qu'il est africain, qu'il peut l'être, qu'il doit même l'être. Et on voit que c'est ce mensonge de Rome, du Vatican, qui nous a amené l'esclavage et tout ça, toutes ces petites résurgences aujourd'hui. Alors, François Bicorra, quand on a écouté Théodoro Obiang-Nguema Mbazoro, quand on a écouté Sassou Nguesso hier, quand on a écouté Boni Yayi, Binto da Costa, Uhuru Kenyatta, et même le premier ministre du Gabon, Naundo, est-ce qu'il y a lieu d'espérer? Est-ce qu'on doit continuer à croire? Chaque peuple, aucun peuple ne peut avancer s'il ne se réconcilie avec son histoire. Ce n'est pas un hasard que si sur cette table, on est en parle de l'histoire, qui vous attire? Les larmes de Lumumba, ce n'est pas pour raconter encore l'histoire de son père. C'est pour créer un pont entre ces 850 millions d'Africains qui nous rappellent chaque jour, vous ne pouvez pas passer, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Vous braillez à la télévision pour rien, mais non. Voilà l'occasion de comprendre quelle image qu'est la nôtre. Vous avez cité Uhuru Kenyatta, mais il rappelle aussi un autre grand homme de l'histoire, Jomo Kenyatta. Et il vous souvient que quand ce garçon a fait le chemin retour, comme Roland l'a fait pour son pays,
C'est les blancs qui ont dit qu'il faut qu'il aille à ces pays. Et au Kenya, on a fait ce que nous faisons ici aujourd'hui. On dit non, nous réglons nos problèmes ici et l'Afrique se réconcilie avec elle. Vous êtes Congolais. Vous ne devez pas voir les larmes de Roland. Vous devez parler aux Congolais pour leur dire, comme les Rothschild, les Bush-père, Bush-fils, tous les autres enfants de chefs d'État, des gens qui se sont mouillés pour leur peuple, dites aux Congolais qu'il y a une larme qui crée un pont entre eux. Ce ne sera pas Bruxelles, ce ne sera pas Paris, ce ne sera pas l'ONU. Parce que Nuremberg n'a jamais cassé le pont entre les Européens. Nuremberg avait pour intention d'envoyer l'opinion ailleurs pour que les Européens créent un pont entre eux, qu'on a appelé SDN, après ONU. C'était pour eux. Et je voudrais qu'on revienne sur les trois plénipotentiaires du prix UNESCO Guinée-Équatoriale, qui rentrent dans le même cas des images dont nous faisons allusion tout à l'heure. Monsieur Obiangema vient de démontrer que les débats que nous faisons sont sur les achats d'armes. Les débats que nous faisons sont sur des choses qui ne nous concernent pas. Les trois prix parlent d'agriculture. Les trois prix parlent de la terre qui s'amenuise. Et on vous dit qu'un Burkinabé a fait des recherches depuis 30 ans pour voir comment, avec les quelques kilomètres de terre qui nous restent, l'Afrique peut se départir de la dépendance alimentaire vis-à-vis des Européens. C'est ce genre d'image qu'il faut magnifier, c'est dire aux Africains qu'après 30 ans, portant une histoire dont il croyait qu'il était seul, Roland se rend à l'évidence aujourd'hui qu'il a travaillé durement et qu'il n'a pas fait inutilement. Puisque 30 ans après, il retrouve des gens dont on a mal expliqué l'histoire de son père, c'est-à-dire vous et moi, qui se rendent à l'évidence que nous étions de façon mystique attachés à une seule chose, faire en sorte que l'Afrique soit libérée. Je rassure Roland, je rassure Patassé, parce qu'ils ont fait l'effort dont 850 millions d'Africains refusent de faire. Quitter leur climatisation que vous n'avez pas encore créée, quitter les grosses voitures que vous n'avez pas encore créées, pour penser à la souche de la terre, la souche humaine. C'est qu'Obiangema a créé comme un prix qui s'appelle un prix UNESCO Guinée-Équatoriale pour la recherche des sciences de la vie. La vie qui est la seule chose qui véhicule le sang de tout être humain. De l'Amérique du Sud où on allait prendre l'Institut, de l'Iran, qui est le diable des États-Unis et du monde occidental, au Burkina Faso, le prix UNESCO ramène toute l'humanité autour d'une seule chose. Nous pouvons tous faire la promotion de la vie. Et quand nous faisons la promotion de la vie, on n'a pas des émotions négatives du genre qu'on ne sait pas toujours ce que sont devenus les fils d'anciens chefs d'État, du genre de choses qu'on ne sait pas que peuvent être des enfants, des gens qui se sont sacrifiés. Et je suis dans un pays où on fête le centenaire des martyrs, aucun membre du gouvernement, on n'en parle pas, et on veut se réconcilier entre nous alors qu'on coupe le cordon de l'histoire. José Martí, qui est le père de l'indépendance de Cuba, disait d'ailleurs à propos que la fraternité du malheur est la fraternité la plus facile. Mais nous, on n'est pas là pour célébrer l'afro-pessimisme ou pour pleurer, on est là pour construire et on avance. Et si on est là aujourd'hui, ces intelligences réunies, et vous qui êtes à la maison, sachez que c'est parce que c'est une nouvelle Afrique qui est en train de naître et ce n'est pas un hasard. Si nous sommes ici, à Malabo, chez le père de cette nouvelle Afrique, Obiangema Mbazogo. Alors, Lumumba, quelle est l'Afrique que vous voyez pour vos enfants, pour demain? J'ose espérer que ce sera une Afrique plus solidaire qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois le président Obiang, il est positif par rapport aux autres, mais ça m'attriste par rapport qu'il soit. Il est là, il y a quelques gens dans le langage du Parti Uni, ils seraient bannis parce qu'ils sont des tièdes, ça veut dire qu'ils ne sont pas contre le système, mais ils ne manifestent pas. Donc il y a quelques tièdes encore au sommet de la direction du continent. Mais j'ose espérer que demain, il y aura une autre génération que cette
génération qui n'a pas subi les influences de la paix-indépendance, du néocolonialisme, qu'on ne veut pas, c'est une réalité, mais il n'était pas obligé d'aller dans ce sens de cette réalité, que le colonisateur te donne l'indépendance, il la récupère de l'autre côté. Donc j'ose espérer qu'il y a une nouvelle génération de dirigeants qui vont commencer à réfléchir, penser, aimer plus l'Afrique d'une façon désintéressée ou bien d'une façon collective pour l'intérêt du grand nombre. Parce qu'aujourd'hui, continuer à envoyer nos enfants en Europe parce que l'enseignement n'est pas au niveau escompté dans notre pays, mais combien peuvent le faire, ainsi de suite. Donc il faut essayer de bannir, essayer de construire une Afrique meilleure, une Afrique là où il faut beau vivre. C'est étonnant. Beaucoup des Occidentaux viennent passer leurs vacances ici, ils sont au cordon, au terrain, et pourquoi pas là. Donc j'ose espérer que l'Afrique libérée, ce sera une Afrique positive, parce que je ne suis pas dans le pessimisme qui dit que non, c'est foutu, c'est l'esprit. Non, ce n'est pas foutu, parce que je travaille pour que ce ne soit pas foutu. Je le fais, et espérant, nous tous, qui pensons positif sur ce continent, on va être majoritaire de nous. Roland, alors, Virgilio, moi, l'Afrique doit se prendre en charge. L'Afrique n'est pas pauvre. L'Éthiopie, en 86, rappelez-vous, la grande famine, beaucoup de gens sont morts, ils sont partis pour rien. Alors aujourd'hui, on parle de cette agriculture, mais la terre verte sur cette terre d'Éthiopie est encore plus verte et plus forte. Et l'industrialisation, parce que les premiers métros fabriqués par les Éthiopiens eux-mêmes et en Éthiopie, donc par les Africains, sont déjà en circulation. Et même au Kenya, j'ai vu des métros. Est-ce qu'on n'est pas en droit de croire, d'arracher ce savoir, de réécrire notre histoire? Et enfin, je ne voulais pas citer la Guinée équatoriale, on allait dire qu'on en fait trop, mais c'est les six voies partout, il n'y a aucun moustique qui pique les gens, on ne coupe pas la lumière, il y a l'eau pour tous. Bon, bref, c'est aussi ça l'Afrique dont on parle. Oui, et moi je pensais toujours que nous, ce qui doit être fait, et ce qui doit faire la force de ces groupes, de ce mouvement qui recommence, parce que le mouvement ne commence pas. On recommence parce qu'il y a un moment, l'histoire, qu'on a dit, bon, laissez tomber, parce que maintenant on achète des produits occidentaux, on envoie les enfants à l'école occidentaux, et après tout cela, on se rend compte qu'après les années, nous n'avons pas avancé. On est dans le même endroit. Moi, j'espère, mon espoir, c'est que le moment qu'on est en train de marquer maintenant, qu'il soit le départ de quelque chose qui n'aura jamais le fin. Ou bien, s'il a un fin, que ce soit que l'Afrique est déjà réglée, que l'Afrique a déjà dans sa propre main son destin, son futur. Ça veut dire que maintenant, je vais répéter toujours parce que le concept, moi je suis vraiment toujours, j'aime beaucoup les concepts. Même je ne rappelle plus qui a dit ou qui a créé le concept. Moi, j'aime le concept. Mais en ce cas-là, heureusement, moi, je peux me rappeler que c'était Che Guevara. Et je rappelle toujours ça, même quand je parle avec mes enfants. L'arme la plus puissante du colonisateur, il se trouve dans la tête du colonisé. Et vous m'entendez bien. L'arme la plus puissante du colonisateur, se trouve dans la tête de coloniser. Parce que dès que le colonisé va dire que jusqu'à aujourd'hui, si tu me tues avec ma famille et tout ça là, tu vas me tuer, c'est là qu'on arrive toujours au fin de la colonisation. Au fin de la colonisation. Ça veut dire quoi? On tue Lumumba, le reste, on a peur, on se cache. On tue et l'autre, on se cache parce qu'on a peur à mourir. Le colonisateur continue. Continuer, parce que continuer à utiliser l'instrument de paix pour coloniser les gens. Alors, jusqu'à le moment que
Quelqu'un va dire que jusqu'à aujourd'hui, si vous tuez Lumumba, moi je suis là disponible à mourir. Et vous tuez Virgilio, bon, Bissové déjà disponible à mourir. Vous tuez, il va. Moi je suis un fan. Je suis en train de lire maintenant un livre écrit par un Espagnol, Gustavo Neri, un guardia civil en la selva. Il explique l'histoire de l'introduction de la colonisation en Afrique, surtout chez les femmes. L'Espagnol tuait 20, le lendemain il avait 30 disponibles. Et il tuait 30, le lendemain il avait 40 disponibles à mourir. Donc jusqu'à quand il nous dit non, on va attendre. Que ce soit les religieux, ceux qui vont entrer comme ça, très en calme. Et c'est comme ça qu'on a pu coloniser la partie continentale de Guinée équatoriale. C'est le fond. Ça veut dire que l'intérieur, ce n'est pas le littoral. C'est un exemple que moi je voulais donner. Mais les exemples, moi je parle toujours, qu'on prend toujours, et pas le geste en soi, mais en profondeur, il faut faire la lecture complète de ce qu'on veut dire. C'est ça que j'attire toujours l'attention. Le prix, oui, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il veut dire, mon président, quand il attire l'attention des gens sur le prix? Ça veut dire que l'avenir de l'Afrique doit être par là. Ça veut dire que nous devons faire nos recherches pour développer notre agriculture, pour développer notre produit de santé, pour développer tout cela. C'est seulement ça qui va faire que l'Afrique soit indépendante à l'avenir. Si ce n'est pas ça, on est en train de rigoler, on est en train de parler, on est en train de boire, on est en train de faire tout cela. Mais on va arriver dans 30 ans, 20, 40, 5 ans dans le même endroit. On n'aurait jamais donné ni un pas, ni deux, plutôt en avant, en arrière, je veux dire. C'est ça que moi je pense qu'il faut mettre maintenant la semaine. Mais vous allez aussi me pardonner un peu parce que je vais faire ce qu'on fait toujours. On est sur un plateau hispanique. Et il y a des gens aussi qui parlent espagnol qui nous attendent. Je fais un petit résumé en espagnol. Estamos en radio, en televisión Guinée Équatoriale, desde el estudio número uno de televisión Guinée Équatoriale en Malabo. Y realmente lo que estamos debatiendo, que es lo que quiero hacer un pequeño resumen breve, no sé si la mente me va a permitir hacer el breve resumen. Ayer se impartieron los premios, tres premios de uno en general que se ha institucionalizado, que el presidente Obiang institucionalizó junto con UNESCO para las ciencias de la vida. Es decir, aquellas ciencias que pueden permitir que el ser humano permanezca y que no se muera. Es verdad que no es, el ser humano no es eterno en la Tierra, pero por lo menos que la salud esté bien como para que podamos ser longevos, como para que tengamos medios, como para que los niños nuestros tengan escuelas y todo lo demás, necesitamos trabajar en las ciencias de la vida. Aquí hemos tenido, que es el señor que ustedes han visto al lado, Roland Lumumba. ¿Quién es Roland Lumumba, con el que hemos estado hablando? Es uno de los líderes africanos del panafricanismo inicial africano que fueron asesinados por Occidente, porque la CIA es la que asesinó al padre de ese señor cuando tenía solo 3 años de edad. La CIA asesinó a su padre, él tuvo que escapar y ha estado en manos de los egipcios, es decir, el presidente Nasser es el que recibió a su familia, es el que les ha cuidado como a sus hijos, es el que realmente les ha formado. Por eso nos estaba diciendo, al cabo de tantos años, ha regresado a su país porque intenta colaborar en su país para que las ideas de su padre no se queden en nada, no se queden en paños mojados, que se puedan tener una continuación. El presidente Obiang, de alguna forma, ahora mismo, no porque lo digo yo, sino porque realmente estamos viendo, hay votaciones de panafricanistas, votaciones que se ponen en marcha para todo el país, toda Europa, toda África, que la gente pueda votar para predecir el presidente más africanista. Él fue votado. Pero en realidad lo que está haciendo él es intentar que, dentro de lo que cabe, todos estos hijos, está el hijo de Patricio Lumumba, está el hijo de Patassé, estaba el hijo de Ahidjo, como vienen otros, sin que nosotros lo sepamos, porque muchas veces hay visitas de estas que el presidente de la República recibe. ¿Pero qué se quiere hacer con eso? Se quiere hacer que la idea del panafricanismo tenga un nacimiento, un renacimiento que ya no vuelva a conocer la muerte. Porque lo que suele pasar es que cuando
empieza Occidente a ver en riesgo sus intereses, empieza a perseguir a las personas que encabezan esos ideales y a matarlos, como ha sido el caso reciente de Gaddafi. ¿Se mata por qué? Porque Gaddafi quería una África independiente, quería África autosuficiente, quería África que tenga el destino en sus propias manos, que pueda decidir en sí lo que realmente es el futuro del continente africano. Es más o menos este entramado de los temas que estamos discutiendo en el debate de hoy, que ahora vamos a ir también concluyendo, nos estamos acercando al final. Con esto, pues mira, para no acaparar la palabra para mí, se lo vuelvo a pasar a mi compañero Viso. Virgilio, c'est des moments exceptionnels. On n'a pas souvent le temps de revenir au temps d'intelligence dans les plateaux du monde et surtout d'Afrique pour débattre en toute liberté et s'exprimer. Donc, s'il fallait dormir ici, on le ferait. Je pense à Luc Michel qui me disait hier à 22h qu'il est chaud pour un débat jusqu'au matin. Je dis non, mais c'est la télévision, on ne va pas passer. Alors, Jean de Dieu ici, le BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, ont donné Afrique du Sud, bien sûr. Madame Zuma et monsieur m'en voudraient certainement, eux que j'ai souvent rencontrés. Ce que je voulais dire, c'est que le BRICS et l'Afrique ont échangé pour plus de 500 milliards de dollars en une année, cette année. Et on prévoit le double d'ici 2015-2017. Est-ce que l'Afrique aujourd'hui n'est pas finalement plus forte que les Africains, même qui se sous-estiment? Est-ce qu'on n'a pas les raisons de croire? Voilà des routes qui se développent. C'est pour cela, monsieur Bissok, mon frère, que je vais commencer par dire à mon frère Roger Bourros qu'il n'y a pas de rhétorique dans ce que je dis. Il n'y a pas d'esthétique. Tout simplement sans éthique, sans utilité. Je dois pouvoir dire au monde que le mensonge international, l'hypocrisie internationale, les Africains attendent aujourd'hui une négociation d'une gouvernance rationnelle et lucide. Maintenant, les Africains eux-mêmes venaient de prendre conscience de ce que l'Afrique n'est plus cette Afrique noire mal partie, le gramme de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez ancré dans l'histoire, c'est que l'Afrique, c'est la maladie, l'homme africain n'a pas encore, c'est la mentalité prélogique, ce discours-là, c'est fini. Il faut qu'on leur dise avec toute la brutalité possible, qui exprime la tigritude et la négritude, à quoi faisait allusion mon ami Césaire. Voyez-vous, je suis sûr que ça risque d'être difficile parce qu'il y a ce qu'on appelait les chartres nègres. Vous savez, M. Césaire appelait Senghor chartres nègres parce que les Senghors avaient un comportement comme celui, c'est eux qui disaient que l'émotion est nègre et la raison est laine. C'est un comportement d'hypocrisie qui fait que lorsqu'on avait sonné le glas, on a dit, ben écoutez, esclave, vous n'êtes plus jamais esclave. Certains esclaves se sont mis à genoux, ils ont commencé à pleurer. Non, je n'aurai plus le sel, parce que le sel, une affaire de sel, on leur donnait un peu de sel pour manger, manger un peu comme le blanc. Ça là, c'est fini. Nous ne prononçons pas le discours du racisme, le discours de la xénophobie. Nous prononçons le discours d'une Afrique qui ira à la rencontre, qui ira au marché de l'intelligence, au marché des échanges. Oui, mais une Afrique qui donnera des leçons importantes à ce capital de coopération qui ne permettra pas qu'on aille en Centrafrique pour tuer des milliers de Centrafricains et aller voler le diamant et le mercure dans une montagne. Ça va finir le temps où vous verrez que vous décidez depuis Washington, depuis Paris, depuis Londres, que comme il y a un monsieur qui donne le bonheur à ses enfants, on l'appelle Muammar Kadhafi, il doit être égorgé. Et vous allez vous rassembler dans une salle et vous votez la résolution 1973, vous partez égorger cet homme. Que vous commencez à dire non, les Africains ils semblent être heureux parce que c'est des pays pauvres, très endettés, et on met ça dans la mentalité de nos enfants. Mais ils arrivent, vous constatez que c'est eux qui courent dans les rues agréables de Malabo, c'est eux qui prennent l'air agréable de la mer à Malabo,
Alors, mais on a présenté Obiangema comme étant celui-là qui a les biens mal acquis, etc. Non, ce discours-là doit fermer. C'est tout ça. Si l'Afrique aujourd'hui a pris conscience, si les Africains, pas l'Afrique, parce qu'il n'y a pas un pays qui s'appelle l'Afrique, si les Africains ont pris conscience qu'ils sont capables de s'élever au niveau de la conceptualité, s'ils ont pris conscience que le monde entier, que ce soit la Chine, les États-Unis d'Amérique et toutes les autres puissances, entre guillemets, d'Europe, ont leur vitalité industrielle, vitalité commerciale avec l'Afrique comme centre du monde. Alors, écoutez, nous autres, nous devons également prendre conscience davantage que c'est fini l'histoire qui a été racontée à Berlin. On disait, il ne faut surtout pas que l'Afrique s'industrialise. Et on vous apporte des théories telles que, bon, écoutez, vous allez faire le développement durable. Vous ne devez pas détruire ceci ou cela. Parce que, et voyez, l'Afrique doit rester ce grenier des matières premières au service de l'industrie occidentale. Non, c'est fini. Et donc, je crois que, sincèrement, l'heure a sonné pour que la coopération entre l'Europe, l'Europe et l'Afrique, entre l'Asie et l'Afrique, entre tous les pays, vous appelez ça les pays émergents que vous avez cités, l'heure a sonné pour que les Africains eux-mêmes commencent à comprendre qu'il faut donner un sens au contenu de nos enseignements, il faut donner de la substance à notre élite, qu'elle ne soit plus cette élite compradora, cette élite robadora, qu'elle soit une élite consciente de la construction des pays africains. Alors, on est en train de partir, un dernier tour de table en 30 secondes, Sylvain Patassé. Samba Panza sera ce soir à Yaoundé. Elle va rencontrer Paul Biya. Et vous êtes un fils de Centrafrique, elle aussi, en tant que présidente. Alors, quel est le message que vous pouvez lui passer, et surtout au peuple centrafricain qui nous suit en direct et aux autres leaders? Je vous remercie beaucoup. Je pense, pour ma part, je pense qu'aujourd'hui, les Centrafricains doivent être conscients que nous devons nous reconcilier entre nous-mêmes. Et à Madame la Présidente, Kadesama Panza, de faire beaucoup d'efforts, beaucoup de sensibilisation, surtout pour la paix, envoyer des gens à l'intérieur du pays, dans l'arrière-pays, pour aller sensibiliser surtout pour la paix. Parce que ces populations se sentent vraiment abandonnées et même les hommes politiques, de faire un effort, d'aller dans l'arrière-pays et sensibiliser. Je profite de l'occasion pour dire à nous les Africains, nous devons être très soudés et de voir en dehors de nos frontières. Parce que si nous décidons, il faut que nous enterrons nos divergences et penser à l'Afrique. Si nous ne sommes pas soudés, nous nous ferons toujours avoir par l'Occident et ça sera dommage pour nous les Africains. Et là, je remercie beaucoup le président Obiangema qui a vraiment cette idée de reconcilier le peuple africain avec elle-même. Merci. Merci Sylvain Patassé. C'est un honneur pour toute l'Afrique, pour tous les téléspectateurs de vous avoir vu, là. Et c'est un plaisir pour nous. Alors Roger Bongos, au moment où vous allez reprendre votre avion, quel est le dernier pincement au cœur qui vous traverse? Le pincement au cœur, je pense à Félix Ange Patassé. Quand j'étais malade, empoisonné, bien entendu. Le président Obiang Nguema Basogo avait affrété un avion médicalisé pour que cet homme soit rapatrié ici, amené ici, à Malabo, enfin, en Guinée équatoriale. Il s'avère que son ennemi, M. Bozizé, a fait de la sorte d'empêcher cet avion d'atterrir. Bon, tout ça, c'est l'histoire. On montre bien que hier, le président Basogo a dit quelque chose d'important. Quand il y a des événements quelque part, une catastrophe, on est là. Quand il y a des crises, on est là. C'est ça le panafricanisme. Quand son voisin est malade, c'est comme si son pied est malade. Donc il faut, bien entendu, soigner cela. Et je regarde à ma droite, Roland qui est ici, qui me regarde avec un regard d'un père, où je vois à travers son regard notre icône, Lumumba, nous tous d'ailleurs. Je dis, il faut mettre en place, mettre en marche. Qu'est-ce que vous allez dire à votre fils de 30 ans aujourd'hui, lui qui est peut-être de l'autre côté, qui vit en France, qui a une autre vie là-bas? Qu'est-ce qu'on peut lancer à ses enfants, à nos enfants,
à cette jeunesse, à la diaspora qui est souvent qualifiée, mais qui n'est pas, qu'on n'accueille pas bien chez nous aussi souvent. Soyons rigoureux, soyons aussi optimistes, soyons afro, comme on dit, réalistes. C'est vrai, nous ne versons pas dans certaines considérations ou le rêverie, mais donnons l'espoir à notre enfant. Quel est l'espoir qu'on peut donner à notre enfant? Quand un enfant veut venir en Afrique, doit trouver une Afrique unie, une Afrique où il y a, c'est sécurisé, une Afrique où il y a des emplois, parce que c'est des gens qui ont de la matière. Les enfants de la deuxième, troisième génération aujourd'hui ont de la matière. Mon fils a un diplôme, une licence, il est là. Donc, son diplôme veut le mettre en lumière ici, il veut le mettre en exergue ici. Comment? Avec quelles possibilités? On parle de fuite de cerveau. Les gens d'ici partent ailleurs, traversent le fleuve dans des situations difficiles, beaucoup laissent leur vie. Donc, il faut essayer de régulariser des choses en matière de l'économie intégrée. Où le président Kaberuka a dit, il y a deux jours, il voit le problème où on ferme les frontières par rapport à cette histoire de Ebola, ça va ramener notre économie vers le bas. Donc on est à 5,6 au niveau de notre croissance, ça va descendre à 4,2. C'est descendu déjà à 4,2. Donc c'est un drame terrible. Et c'est provoqué par quoi? On le sait que les Occidentaux ne veulent pas le développement de cette Afrique. Tant que... Cette Afrique où ils aiment bien exposer le... Un maillot de bain et tout. Mais on doit gagner le match. Alors, François Bicourt, on est en train de partir. Qu'est-ce qu'on peut dire, finalement, à tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis, à toute cette Afrique en marche? Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. J'ai vu Obama, Hollande, courir en Afrique du Sud lors de l'enterrement de Nelson Mandela. Parce qu'il savait très bien qu'il ne fallait pas que les Africains sachent pourquoi ça a réussi. Je ne parlerai pas de Nehru ni de Gandhi. Ça a réussi en Afrique du Sud parce que celui qui est actuel chef d'État aujourd'hui, le fils d'un combattant pour la liberté en Afrique du Sud, ça a réussi là-bas parce que le fils Kabila n'arrive pas à saluer le fils de Lumumba. Vous n'aurez plus raison de dire que ça a échoué. Ça doit réussir parce que vous avez la chance que ces gens-là peuvent être ensemble. Montrez-nous l'image quand vous allez rentrer dans votre pays, la même image que nous voyons ici aujourd'hui, et vous verrez que ce que Obiangem a fait aujourd'hui, à la suite de ce que les autres ont fait, ne sera pas vain pour que nos enfants ne se retrouvent pas 30 ans après et voir certains d'entre eux qui se mettent à pleurer alors qu'il était possible que cela se fasse aujourd'hui. Africains, vous n'avez plus de raison d'avoir peur. Tout est là devant nous. L'Afrique doit décoller. Roland, on est en train de partir et vous aussi, vous allez partir. Vous allez reprendre votre avion. Alors, au moment de quitter cette belle terre, au moment de nous séparer, quel est le message fort qu'on peut dire quand on a déjà presque tout dit? Le message pour aller dans le sens de mon frère, que le problème n'est pas le problème de la jeunesse en rentrant chez soi, comment ils vont être accueillis. Il faut préparer chacun à son niveau, ça veut dire il faut que les frontières soient ouvertes entre nos pays. S'il y a des pays moins bons que d'autres dans l'administration, faciliter comment ceux qui ouvrent leur pays, comment profiter, comme l'Occident le fait. Nous aussi, on a été à l'école chez eux pendant une trentaine d'années, une cinquantaine d'années. On peut profiter au lieu que si quelqu'un qui ne le comprend pas, il veut faire la fuite de cerveau de son pays, et que ça n'aille pas trop loin. Chez nous aussi, on peut en bénéficier. D'une façon générale, il faut avoir une plus grande prise de conscience et je suis au plus. Jean de Dieu a ici, en 30 secondes, le message fort pour les Africains du monde entier. En un mot comme en mille, le temps a sonné pour que nous ayons des leaders comme Obiangem Mbazoro. En un mot comme en mille, le temps a sonné pour que ceux qui sont partis à Paris, à Washington, à Londres, etc., qu'ils nous reviennent et que la résurrection des Lumumba soit observée. Le temps est arrivé pour que l'Afrique connaisse une résurrection et mise en place
du code éthique, du code métaphysique et du code idéologique. Virgilio, avant que de conclure, on va pouvoir appeler. On est en direct, hein, tout le panel est là, on n'a pas pu. On va te faire tous une photo, une image d'ensemble. Luc Michel, Parfum d'Homme, et tout dit. Venez tous, tout le monde, s'il vous plaît, cette solidarité. Et puis, juste pour conclure, Paul Kem qui est là, le professeur Duatio, Biloa, Aïssi, j'ai oublié personne. Bah, alors, mais il est là pour Barak, je le cherchais. Alors, Virgilio, essayez de conclure en fraternité. En fraternité, je vais le faire. Nous avons remis ici autour de la table de ce plateau de notre télévision Guinée-Équatoriale un groupe qui est vraiment un groupe de qualité, un groupe humain qui dépasse les limites professionnelles parce que ça, on a été non seulement des gens qui sont professionnels en matière de journalisme, on était des analystes au niveau politique, on était des analystes au niveau économique, on était beaucoup, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur l'entourage. Mais la seule chose que moi j'aimerais, c'est comme un souhait, aussi comme un message, c'est que nous avons commencé à faire quelque chose. Peut-être qu'avant, il y avait aussi des mouvements autour du panafricanisme. Mais nous avons aujourd'hui une arme qui est très importante. C'est l'arme des communications, les moyens de communication, les médias. Nous avons aujourd'hui l'opportunité d'avoir l'Internet, nous avons la télévision, nous avons même la radio, encore vieux, mais toujours existante. Nous avons aussi maintenant les messageries qui sont très importantes. Nous avons vu que l'Occident a utilisé ça exactement pour faire le printemps arabe. Donc, on peut l'utiliser pour le bien. Ils ont utilisé pour le mal, mais on peut l'utiliser pour le bien. Pour avoir un groupe qui est soutenu pour l'idéal du panafricanisme. Pas seulement pour le dire. Parce que si on ne travaille pas vers ça, si on ne travaille pas vers l'objectif de faire un panafricanisme, en réalité, qu'on peut montrer aux gens qu'effectivement, on est arrivé jusqu'à ici, après le temps de travail du panafricanisme, jusqu'à ici, ça va être comme avant. Ça veut dire qu'on parle aujourd'hui et demain, c'est disparu. On doit faire n'importe quoi. On doit faire tous les efforts, redoubler tous les efforts pour pouvoir arriver à un moment qu'on va regarder en arrière et dire que oui, aujourd'hui, nous avons fait quelque chose de différent de ce qui a été fait avant dans l'histoire. Ça, je fais, avant de passer la parole à mon collègue, je profite aussi parce que moi, je suis ici dans les deux côtés. Terminamos hoy, hemos invitado a todo el mundo a venir aquí en el plató, a pesar de estar en el programa en directo, para que ustedes vean un poco la panorámica de lo que es el equipo. Y esto es solamente la punta del iceberg, porque aquí África Media y los movimientos panafricanistas son enormes y cada día van creciendo. No es solamente ese equipo, es el equipo, un poco el equipo que ha podido desplazarse en Malabo. Es que están en Congo, en Centro África, en París, en Londres, en todas partes, en Rusia, el equipo de panafricanismo está subiendo más a más. Entonces nosotros hemos venido aquí, les hemos presentado personas ya que son realmente importantes, que son personas que tocan el alma, porque cuando se habla de una persona, por teoría, cuando estamos leyendo en la historia de que existió un tal Lumumba, existió un tal Nasser, existió, no es lo mismo, señoras y señores, que presentarse aquí delante del hijo, el hijo de Lumumba, un señor que tenía 3 años cuando asesinan a su padre y tiene que vivir con eso. Encima tiene incluso que invitar a la gente que tengan paciencia y que nadie vaya a lo violento, sino que se quiera realizar las ideas de su padre, las ideas que su padre compartía con otro grupo de presidentes de aquellos momentos, líderes africanos. Eso es lo que solo me queda al día de hoy, desearles a todos feliz retorno a sus respectivas tierras y que nunca el contacto se olvide, porque nosotros estamos siempre en contacto. Y esto es lo que hace más fuerte. La comunicación es lo que va a hacer más fuerte que los ideales que vamos compartiendo entre todos, que nunca se quedan en paños mojados. Muchas gracias a todos. Gracias, tú. Gracias, señor. Obiangema Bazogo nos ha dicho, allez dire, n'allez pas mentir, n'allez pas travestir. On a essayé de raconter un bout de notre histoire, cette histoire qui est en marche. J'ai envie de sortir de ce plateau en disant simplement, en regardant tout droit
nos amis révolutionnaires de Cuba toujours, qui ont envoyé 150 médecins pour aider à juguler la crise Ebola, l'Amérique a décidé d'envoyer 3000 militaires. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire aux Africains de ne plus trembler, de prendre à bras le corps leur destin, fuir les responsabilités, parce qu'on a peur de mourir aujourd'hui, c'est qu'on a accepté de périr. Et il y a une différence entre mourir et périr. Certains sont morts, nos papas illustres, d'autres vont partir, mais personne ne va périr, parce que le combat continue et la lutte continue. À viva la révolution! Merci! Ah, monsieur, aujourd'hui c'est historique pour moi. Tu me le mets aussi. Tiens, vas-y. Attendez, bougez pas. Moi, je suis là. Et après, on vous interrompt. Vas-y, moi, je vais pas me là. Attendez, Thank you.